Oh, Fadel Goat. Jeremiah, child. We just came back from hunting. We almost caught a wildcat. You should have been there. Mother has everything ready for you. I shot two rabbits. Oh, welcome in peace, Yotanka. Let peace and gentle love stay upon you. You really taught the boy to shoot true. I ought to thank you. I got two rabbits and three shots. Yotanka. Yotanka, let's sit on the porch. Then you can tell us one of your stories. All right, Yotanka tell you Indian story. Very old Indian legend. Yotanka, is it really true that Indian arrows are made with eagle feathers? Yes, that is right. The feathers of the eagle. Is it true that all Indians scalp their enemies? Not all. Only great warriors do. Yotanka, will you give me an Indian necklace? You like this one? The littlest. There, it's yours now. Here you are. Yotanka is grateful. You have much kindness. Oh, it's only bread, Yotanka, but you're welcome to it. You'll need it in the mountains. Good luck and happy hunting. Jenny, did you wash? Yes. Did you use soap? No. Well, go and wash again. Wait a minute, you forgot your arrow. Yotanka. Hmm? Yotanka, will you bring me back a black and white pony? Yotanka only hunt beaver. Goodbye. Look what he gave me. It's very pretty. Yotanka was a warrior, wasn't he? Les grands chasseurs à table. Je vous reprendrai la discussion plus tard si le cœur vous en dit. Allons-y. C'est un puma énorme. Il était sur le point de sauter sur la vieille Betsy. Alors, pan, pan, deux coups, mais il a réussi à s'enfuir, hein, pas. Ouais, c'est juste. Seulement, tu as failli tuer la mule. Si j'avais eu ton fusil, je l'aurais tué. Un jour, tu en auras un plus beau encore, grand chef blanc. C'est Perkins, le marchand d'esclaves. On raconte des choses étranges à son sujet. Attention, George. Il y a aussi Prescott. Pourquoi ce journaliste vient-il ici? Ça ne m'étonnerait pas que les mensonges qu'il fait paraître amènent une guerre contre les tribus indiennes. Bonjour, messieurs. Comment ça va, Georges? Bien, je te remercie. Tiens, toi aussi, tu es là? Eh oui, tu vois. Alors, Bridger, les affaires vont bien? Ne pas trop à me plaindre. Alors, si vous disiez pourquoi vous êtes venu jusqu'ici? Oh, on te le dira. Est-ce que tu connais M. Prescott? Oui. Il m'est arrivé d'avoir dans les mains le journal où sont publiés ces fameux articles. On va t'expliquer de quoi il s'agit, Georges. En quelques mots, étant donné que tu n'as pas l'air de nous inviter à prendre un verre chez toi. Eh bien, on a formé un groupe d'une centaine d'hommes armés. Nous voulons infliger une bonne leçon aux Indiens de la région. Est-ce que tu veux faire partie de ce groupe? Je vous conseille de réfléchir avant, car vous risquez gros en le faisant. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait d'ailleurs? Pourquoi vouloir les tuer? Pourquoi, du moment qu'ils vivent tranquilles? Hier, on a retrouvé Brad, ils l'ont tué et scalpé. Tu entends, Georges? C'était un salaud. On a fait un traité, il devait le respecter, il ne l'a pas fait. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dites, Bridger, de quel côté êtes-vous? Pas du vôtre, ni de tous les mensonges que vous faites publier dans votre journal. Pauvre crétin, je suis la voix du progrès, espèce de cutéreux. On croyait que tu te serais joint à nous pour donner la chasse à cette vermine. Tant pis pour toi, Bridger. On t'aura prévenu. Adieu. Qu'est-ce qu'il voulait, pas? J'en sais rien, fiston. Rien du tout.
Il doit y avoir quelqu'un en chorale. Le vieux Dicky est nerveux. Ne bouge pas, tu as envie de te faire tuer, nous ne savons pas combien ils sont. Cache-toi! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, Georges! Éteins-moi cette plante, Martha! Du chien! Assassin! Vous allez te payer ça! Tu vas te cacher là, viens, allez vite. Non, je veux rester. Tu vas te cacher là, tu entends, descends. Fouille pas. Allez, viens. Là, ils ne te trouveront pas.
Combattre comme guerrier loyal, sans bâton qui tue. Tu plaisantes, Brady? $1 pièce pour des policiers. Non, c'est mieux que moi qu'elles valent beaucoup plus. Sans compter que j'ai chassé en plein territoire indien. Oui, toutes les terres sans exception. Et croyez-moi, de bonnes terres. Elles s'étendent depuis le Rio Grande jusqu'au Black Canyon. Mais on y arrive à celui pas. Non, mais
décidé d'amener une indienne ici. Puis c'est une coupe tout à fait à la mode. C'est la dernière nouveauté de San Francisco. Je viens à peine de la recevoir, c'est une affaire intéressante. Oui, vraiment pas mal, voyons un peu. Elle est parfaite. Je vous l'avais dit, regardez la ligne qu'elle a. Elle me plaît beaucoup, maman. Prenez-la. Vous ne le regretterez pas. On vient partant d'ici. Oh, quelle époque. Mais attendez. Il n'y a même pas de quoi faire une perruque avec ces scalps. Tu peux choisir ce que tu veux, mais pas pour plus de 10 dollars. Ôte-toi de là! Ôte-toi de là avec ton chariot! Allons, réveille-toi, imbécile! Enlève-toi du passage! Ils ont fini par leur prendre. Ah, c'est bien vrai. Ces pauvres boucs qui travaillent sur ces terres n'ont qu'une chance de s'enfuir. Monsieur Perkins, l'homme le plus riche et le plus puissant de l'Arizona. Il a poursuivi ce pauvre malheureux à travers tout le territoire. Il l'a retrouvé à Tucson. Et il le ramène ici uniquement pour le pendre. Debout, vermine. Allez, avance. Il est probable qu'il mourra d'épuisement avant. Mais pour Perkins, ça n'a aucune importance. Ce qui compte pour lui, c'est de donner un exemple. Et prouver qu'on ne peut pas lui désobéir. Impunément. Hey, regarde. Un beau cadeau pour le patron. Une indienne. Et si on l'achetait, qu'est-ce que vous en dites? Perkins serait content. Belle bête, hein? Je l'achète, cette fille. 20 dollars. T'as de la chance, je t'offre un prix qu'elle vaut pas. Détache-la, Ted. Regardez, une indienne dans notre ville. Quelle honte! Tu n'aurais pas dû l'amener ici. C'est un sacrilège! Chassons-la! C'est une offense à Dieu! Chassons-la de cette somme! Ah! Elle n'échappera pas à la justice du ciel! Elle mérite d'être lâchée! Thank you.
tu aurais mieux fait d'accepter mon offre. Allez, viens. Hé, hey, attends une minute, Boone. J'ai un compte à régler. Reste pas planté là comme un idiot. Qu'est-ce que tu attends pour vous détacher? Oui, mais si je vous reviens, mon compte est bon. C'est à moi que tu auras affaire si tu ne me détaches pas immédiatement. Ils ne seront pas fichus de les retrouver, j'en suis convaincu. Parce que ce gars-là, il est trop fort pour eux. Il faut qu'on y aille, nous aussi. Allez, viens, Ted. Le cœur du guerrier blanc est gorgé de haine, comme le nuage est gorgé de pluie. Grand guerrier blanc a vaincu. Il a sauvé Tyum. Sa vie est à lui. Grand guerrier blanc connaît la coutume indienne. C'est touchant. Désolé d'interrompre cette charmante idylle. Mais cette fille nous appartient. Je ne pensais pas qu'on t'aurait pris aussi facilement. Tu n'es pas aussi rusé que je l'imaginais, sans doute. Ce que tu viens de faire te coûtera cher, espèce de petit salaud. Tu as tué un homme. Et aux yeux de la loi, tu n'es qu'un vulgaire criminel. Alors qu'il est, ta vie ne vaut pas cher. C'est moi qui te le dis. Ted, occupe-toi de l'Indienne. Éloigne-toi de la fille, ordure. Et viens vers moi maintenant. Allez, viens, attends. Et reste à terre. Et traîne-toi. Allez, traîne-toi. Oh, je te dis.
Dans ton intérêt, tu ferais mieux d'obéir, tu sais. Lentement, lentement. On a tout le temps des craintes. D'ailleurs, cette baraque avait besoin d'un petit nettoyage. Traîne-toi par terre. Nettoie-la. Fais gaffe, tu vas voir. Pour en être sûr. Allez, viens. Allez, viens, avance. C'est pas trop tôt. J'étais enfin réveillé. Je voyage toujours seul et pour une fois que j'ai un compagnon, il dort comme un lézard au soleil. Ça vous voit que c'est le comble, non? Hé, hey, tu pourrais dire quelque chose? Ouais, et il a perdu sa langue alors. Il faut croire que c'est ça. Bah. Et pourtant, la blessure n'est pas grave, au point de te priver de la parole. Tu vas pas essayer de rouler un vieux médecin comme moi? Toujours mieux? Bah, étrange. D'après mon diagnostic, je suis sûr que c'est l'épaule qui a été touchée. Et pas les amygdales. C'est bon, j'ai compris, il faut que je t'opère. Mon chapeau. Ah. Ouais, il faut bien respecter certaines mesures d'hygiène. Ah, quel métier. Désinfectant. Ah. Tout est prêt. Fichu barbe. Dans l'Ouest, mon garçon, quand tu ne sais pas tirer et que tu as des ennuis, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de prendre un déguisement quelconque. Désinfectons. Et maintenant, stérilisons le bistouri. Tu verras, c'est un remède efficace contre la douleur, et c'est le seul que j'ai. Ah. Tu y es? Courage, bon, allons-y. Et
n'aie pas peur de serrer les dents. La blessure est profonde. Ah, voilà, la balle est là. Je la sens. Allez, viens vite, ma mignonne. Ça y est, j'ai eu. Enfin, te voilà, Boone. Tu t'es roulé dans la poussière? J'imagine que vous avez fait tous les saloons de Yuma. Non, on a simplement assisté à un spectacle intéressant. Les gens du coin voulaient faire griller une jeune indienne. Ça aurait été dommage, c'est une vraie merveille. J'ai pensé qu'elle vous plairait. Alors je vous l'ai amenée. Et Ted? Ce pauvre Ted a eu des ennuis. C'était un gars trop sensible. La vue de scène aussi brutale lui a fait mal. En outre, il devait souffrir d'une sorte d'allergie au plomb, ce vieux Ted. Allons voir si cette fleur de cactus valait la vie de Ted. Une minute, Tung. C'est elle, la petite merveille indienne. Je vois que tu avais raison. Tu verras que mon ranch te semblera un paradis, à côté de ton rempouilleux. Tu regretteras ça, espèce de chienne galeuse. Pour moi, tu es moins que rien, tu entends. Tu peux être sûr que je t'obligerai à te plier à ma volonté. Tung, emmène cette garce. Écoute, j'ai à te parler, Boone. Tu as eu le temps de bien t'amuser. Il faudrait travailler maintenant. J'ai besoin d'eau et de terre. Le bétail meurt de soif sur mes pâturages, à la suite de la sécheresse qui vient de sévir. Ça ne peut pas continuer comme ça. On pourrait faire ce qu'on faisait d'habitude. Oui, c'est juste. Alors, Boone, tu sais ce qu'il te reste à faire dans ce cas. Dénicher une dizaine d'Indiens et les abattre. Cette fois, ce sera difficile parce qu'ils restent dans leur réserve. À toi de les en faire sortir. À moins que tu aies vieilli et que tu n'en sois plus capable. Ça suffit, une dizaine? Oui. Il y a un village non loin d'ici, à une trentaine de miles au nord. Je pense que c'est l'endroit idéal. Là, tu feras ce qu'on a dit et puis tu reviendras au ranch. Entendu. Le temps de me reposer et je pars. Ok, patron? C'est bien. Eh bien, t'en fais un de ces bruits, mon petit vieux, hein? Chut, suis-moi. Frappez et il vous sera ouvert. Demandez et il vous sera donné. Des cigares. Oh, oh, j'oubliais. Les miracles de la foi, mon fils. Et maintenant, il vaudra mieux qu'on file, ce sera plus prudent. Oh, cette satanée soutane. Yahoo! Eh, ça a marché. Espèce de salaud! Un miracle, je vais te faire voir, moi!
Maintenant, il faut que j'y aille, Doc. Autrement, il aura une trop grande avance sur moi. Et bientôt, ce sera la saison des pluies. Ah, oh, malédiction, regarde ce que tu me fais faire. Une omelette que j'avais si bien réussie. Pourquoi faut-il toujours courir? Oh, Dieu du ciel, je ne comprends pas quel mal je vous ai fait, quel mal. Tu n'es pas obligé de me suivre, Doc. Je vois que tu cherches des ennuis, hein. Attends-moi. Oh, je suis trop bête, je fous toujours mon nez là où il faut pas. Tu n'as pas la moindre chance contre Boone et Spoddy Perkins. Tu auras besoin d'un coup de main. Tu oublies que ton bras n'est toujours pas en état. Bien. Si Boone est passé ici, je connais un gars qui le saura sûrement. Hé, hey, comme je suis content de te revoir, vieux feignant de Mortimer. Alors, comment ça va? Espèce de filou, t'as un culot de venir ici. Pourriture. Dis-moi ce que tu as fait de ma dernière. Parle, sinon je t'évends. Ah, voyons, de quel dent parles-tu? Fais pas le malin avec moi, voleur. À Yuma, il y a quelques mois, tu devais me soigner et m'arracher une dent gâtée. Mais t'en as profité pour me faucher ma dernière. C'était une erreur, ça arrive à tous, non? Ouvre la bouche, idiot. C'est vrai, je vois que tu as encore cette fichue dent. Je vais te l'arracher en douceur, tu ne sentiras rien. Parole de dentiste. Parce que j'utiliserai la toute dernière méthode pour éviter de te faire mal. Tu dois avoir confiance. C'est la méthode du professeur Asimov. Alors, non, pas d'histoire. Ne me dis pas que tu as peur à ton âge. Alors, reste tranquille. Tu verras, ça sera pas long. Ouvre la bouche, allez. Jérémy, non! C'est inutile, ça! C'est inhumain! Il est temps d'en finir avec cette haine absurde! Ça fait des années que tu massacres et que tu scalpes les Indiens! Tu es vraiment sûr que ce sont eux qui ont exterminé ta famille? Tu en es vraiment sûr, dis? C'était peut-être quelqu'un qui voulait prendre votre terre! Va me dire tout ce que tu sais! Tu entends? Allez, parle! Surtout dis-moi la vérité, sinon je te tue, tu entends? Lâche-moi! C'est Boone qui pourrait te dire ce qui s'est passé! Encore lui.
Surtout, dépêche-toi. J'ai besoin de toi, ici. Ok, patron, ça ne sera pas très long. Et pas de risques inutiles. Mm-hmm. À bientôt. Souviens-toi, une dizaine, pas plus. Entendu. Tong. Amène-moi l'Indienne. Je vais faire des folies. Ah, ma chère Lucie. Je te l'ai dit, s'il n'y avait pas eu ce crack à la bourse, je descendrais dans les hôtels de luxe. Enfin, c'est comme ça, j'ai pas eu de chance. C'est la vie, un jour on est riche, et le lendemain on n'a plus un sou. Oui, j'ai compris, tu as besoin d'une chambre, hein? Deux. Et dans l'enseignement aussi. Tu connais un type qui a une face de rat et un aspect très vulgaire en outre. On m'a dit qu'il s'appelait Jeff Bowen. Tu connais? Méfie-toi, Doc. C'est du bras droit de Perkins que tu parles. Ah, je vois que tu connais. C'est lui, en effet. Il vient souvent ici avec ses hommes. C'est tout ce que je voulais savoir, Lucie. Je te remercie. Tu es gentil. J'espère que tu vas nous donner tes meilleures chances. Hein? Il est muet, ton ami, ou quoi? Non, il est timide. Venez. Je vous accompagne. Allez, marche! Plus vite que ça! Imbécile! De toute façon, tu n'irais pas loin. Debout! Relève-toi, je te dis! Je vais te secouer, moi. Tu vas voir. Allez! Allez, avance! Avance, sale vermine! Slim, aide-moi à le relever! Eh bien, tu as l'air drôle comme ça. Qui t'a dit de prendre ces trucs-là? Perkins a dit qu'il fallait qu'on lui rapporte des objets indiens. Tiens. Il a dit que ça peut servir. Non, la gosse, il vaut mieux la laisser. On repassera la prendre dans quelques années. Ce qu'on vient de prendre nous suffisent pour l'instant. Allez, allez, mange plus vite que ça. Allez, je vois ça. Ça va stresser. Eh, monte. Allô, c'est sorti, c'est dans le cas. Attention. Ah, Perkins sera satisfait, j'espère. Ceux qu'on ramène sont tous jeunes. Exactement ce qu'il voulait. Cette fois, j'espère qu'il nous fichera un petit peu la paix. On pourra enfin se reposer. Les hommes sont fatigués, Boone. Si on passait par Yuma, on en profiterait pour s'arrêter chez Lucie et faire un peu la bringue. Ah, tu ne changeras pas. Toujours prêt à détourner du droit chemin, hein, Sullivan? Bon, d'accord. Eh, les gars, on passe par Yuma, on va rigoler. Ah. Tu as tout le temps. Si tu descends tout seul, tu peux être sûr qu'ils ne te rateront pas. Regarde. Non, mon gars, j'ai une meilleure idée. Dites-moi, jeune homme, vous n'auriez pas vu passer mon mari par hasard? Il est facile à reconnaître. Ronde-les comme une barrique et rond comme une bourrée. Il m'a laissé seul dans ses ruelles sombres, je meurs de peur. J'ai le cœur qui bat la chavette. Mais vous êtes très sympathique et votre présence me rassure. Approchez-vous, soyez pas timide. Et c'est bien sûr qu'un gentleman comme vous ne profitera pas de la situation.
là-bas. Ça alors. Bah merde. Slim, t'assures que t'as raté un drôle de spectacle. Chez Lucie, il y avait trois beautés qui ont fait un numéro de machin cancan. T'aurais dû voir ça. Même pensé à toi. T'en fais le sec, on dirait que t'as vu un fantôme. C'est ce que j'étais en train de me dire. Hé, hey Bill, qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre? Dépêche-toi! Il est sûrement en train de cuver son whisky. Alors, qu'est-ce que tu fabriques? Crétin! Aïe, Rudine! Qu'est-ce que tu racontes? Il veut te dire que le voyage doit s'arrêter ici, Bone. Sale vermine! Tirez, vous autres! Tu dois vivre. Alors, Boone, comment te sens-tu? Le sol bientôt te brûlera tellement la chair que tu penseras que l'enfer est plus accueillant. Non! T'as pas le droit de me faire mourir, tu entends? Tu n'as pas le droit, espèce de lâche! Comment oses-tu me faire torturer par cette bande de sauvages? Espèce de salaud! Dis-leur de me détacher! Immédiatement, à ces charognes. Ah, tu me paieras ça. Non, pas le feu. Non, non, pas ça. Non, ah non. Tue-moi tout de suite.
Tu ne peux pas me laisser mourir de cette manière. Tu ne peux pas. Écoute-moi. Si tu me détaches, tu verras. Je te ferai rendre l'indienne. Je te jure qu'on te la rendra. Je ne veux pas mourir. Détache-moi. Non. Arrêtez. Canaille. Charogne. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me dises toute la vérité. Toute la vérité, tu entends? Au sujet du massacre des Bridger. Quoi? J'y suis pour rien. Assez, j'en peux plus. J'étouffe, assez. Je te dirai tout ce que je sais. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce qu'on doit faire d'après vous, alors? Oui, c'est vrai, oui, je suis d'accord, on ne peut pas continuer ainsi. L'autorité fédérée considère qu'il s'agit là d'un problème désormais résolu. Peu leur importe que ces Indiens continuent à assassiner d'honnêtes citoyens. Dans ce cas, nous nous armerons. Nous ferons respecter notre liberté. Ah, tu as eu du succès. Ces imbéciles t'écoutaient avec admiration. Je suis curieux de savoir ce que tu as l'intention de faire. Tu verras. Tu verras. D'accord, j'attendrai, Perkins. Mr. Perkins. Tu sais pour ce que je vous dois. Bien, et alors? La récolte a été très mauvaise cette année, Mr. Perkins. Et en plus, deux de mes vaches sont mortes. La banque ne veut plus faire crédit aux paysans. Sois tranquille, Smith. Je me contenterai de prendre ton lopin de terre. Je pense qu'il ne dira plus rien. Enlevons-le. Avant qu'il soit complètement rôti. Je sais pas qu'il me fasse pitié, mais je supporte pas la puanteur de la charogne grillée. Allez, lève-toi. Ainsi, Coyote Blanc ne tuera plus nous, Indiens, Topayos. Ça ne te suffit donc pas encore. Je crois que nous avons en tout la moitié de l'Arizona, John. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? J'admets, cher Prescott, que tu rédiges de bons articles, mais je dois dire aussi que tu n'as aucun sens pratique. Écoute-moi bien. Les pâturages sont devenus insuffisants pour notre bétail. Et il y a une autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est qu'un des éléments les plus importants pour nous, comme pour les autres éleveurs, est sur le point de nous faire défaut. Tu parles de l'eau? Exact. Tu as deviné. Et où est-ce qu'on la trouve, cette eau? Tu le sais? Sur les terres que le gouvernement a distribuées à ses cutéreux. Je crois comprendre ce que tu veux dire. Nous pouvons nous passer du gouvernement. Tu as peut-être raison, mais changeons de sujet. Celui-ci devient ennuyeux. Tu aimerais savoir, je crois, ce qu'il peut y avoir de tellement important dans les pièces du dessus, hein? Eh bien, je vais satisfaire ta curiosité. Tung, amène-les ici. Tout de suite, Mr. Perkins. C'est une surprise qui t'aidera certainement à passer une agréable nuit. L'ennui, c'est qu'il se fait tard. Je dois partir absolument demain matin, aux premières lueurs de l'aube. Attends la surprise avant de décider. Tu ne le regretteras pas. Eh bien, tu ne te refuses rien. Choisis celle que tu préfères. Merci. Celle-là. La plus belle, hein? Mais la plus rebelle aussi. Tung est obligé de lui donner une drogue pour la calmer. Ne t'inquiète donc pas, ça me connaît, ce genre de tigresse. Ha ha ha.
Va-t'en, toi. Principal, je crois. Mister Perkins, c'est un danger, dépêchez-vous. Ouais. Tu vas me payer ça, espèce de garce. Je te jure que tu le paieras, sale chienne. Attrapez-la, vous autres. Attrapez-la. Je veux l'écorcher vive. Sale garce, regarde. Ah, je t'avais averti, tu as choisi la plus sauvage. Je croyais que tu avais l'habitude de dompter les tigresses. C'est bien ça que tu disais, non? Ouais, je la dompterai. Elle paiera ça, cette chienne d'esclave. C'est moi qui te le dis, je vais la tuer. Calme. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Emmenez-la, vous autres. Je vais m'occuper d'elle demain matin. Et maintenant, retournez vous coucher. Fais-moi voir un peu ce qu'elle t'a fait. Elle t'a drôlement arrangé. Mais attention, j'ai déjà assez mal, alors. Bah, comme tu voudras. À demain matin. Reste tranquille. Ne bouge pas tant. Tu peux commencer, Bert. Ça peut être. N'en sais rien. C'est Boone, Mr. Perkins. Il est mort. Alors, si tu nous racontais ce que tu sais, étranger. Juste avant de mourir, il m'a prié de l'amener ici. Enfin, je veux dire, chez Perkins, où il m'a dit qu'il travaillait. C'est bien ici, non? Ça me paraît bien bizarre, tout ça. Descends de cheval. Ton chapeau devant Monsieur Perkins. Il faut reconnaître qu'il est très fort, cet étranger. Dis-moi, il prend une belle volée, ton gorille. Ne tirez pas, vous autres. Il s'est battu régulièrement. Attends un instant. Je n'aime pas ce type-là. Fiche-le dehors, Perkins. Ça a été un combat très intéressant. Oui. Tu remplaceras cet idiot. Tu as bien mérité ça. D'ailleurs, tu n'as guère le choix. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette indienne?
C'est une tigresse indomptable. J'avais décidé de la tuer, mais si tu veux, tu peux la prendre. Elle est à toi. Ted, montre-lui le chemin. Alors, tu les as, les journaux, cher Lucie? Dis-moi ce que tu veux faire de tout ça, tu pourrais me le dire. Tu es trop curieux. Je t'avais dit, je crois, d'apporter autre chose, si tu y as pensé. Oui, je l'ai. Vieille ivrogne. Tu n'as pas le droit de dire ça, Lucie, c'est pas gentil. Je retire ce que j'ai dit. Tiens, voilà ce que tu voulais. Si tu veux autre chose, dis-le. Non, pas ça. Viens ici que je te contrôlerai. Allons, sois sage. Ça n'est pas de mon âge. Viens ici. Non. Si, viens. Oh, tu sais, Lucie, tu m'en fous. Je te fous, viens ici. Non, c'est nul. Qu'est-ce que tu fiches là, espèce d'idiot? Ils auraient tort de me contrer. Je fais tout ce que je peux pour aider les paysans et les éleveurs de la région. Mais il y en a qui ne l'apprécient guère. Il faut ramener à la raison ces imbéciles. Et c'est Boone qui s'en occupait, j'imagine. En effet, c'est lui qui s'en occupait. Maintenant, ce sera toi. D'ailleurs, tu vas commencer tout de suite. Bonjour, messieurs. Alors, Scott, quoi de nouveau? Rien de particulier, M. Perkins. Scott, il faut que tu t'en ailles. Certaines tribus indiennes viennent encore de se soulever non loin d'ici. Mais je pense qu'ils n'ont aucune raison de s'attaquer à nous. Pourquoi s'en aller? Et puis, je n'ai rien contre eux. Bien, comme tu veux. Les Indiens nous ont toujours laissés en paix et nous sommes amis. C'est vrai, jusqu'au moment où ils viennent brûler ta ferme. Tu as tort de ne pas m'écouter, Scott. Tu ne crois pas que ta vie et celle de ta famille valent plus que cette terre? Il suffit que tu t'en ailles pendant quelque temps. Nous avons organisé un groupe de volontaires. Et nous sommes bien décidés à donner une bonne leçon à ces peaux rouges. À propos, tu pourrais même te joindre à nous. Oh, ça suffit. Pas de chance. Bien. Inutile de rester là maintenant que tu as tout gâché. Je voulais justement te faire voir quelque chose. Assieds-toi. Regarde ces journaux. Primo, ta famille a été assassinée et on trouve des cadavres d'Indiens près du ranch. On accuse alors les Peaux-Rouges de cette affreuse tuerie. Secondo, les journaux rapportent que les fermiers s'enfuient croyant à une révolte des Peaux-Rouges. Terzo, Perkins achète les terres pour une bouchée de pain et ne tarde pas à s'enrichir. Oui, je vois, tout est clair.
Et cette crapule de Perkins a l'intention d'essayer encore. Exactement comme autrefois. Mais cette fois-ci, je l'en empêcherai. Tune, n'oublie pas que tu l'as sauvée. Tune, être heureuse avec toi. Tune est une squaw très courageuse. Guerrier Blanc a compris beaucoup de choses maintenant. Tune aussi comprendre ce que Guerrier ressent. Hey Jim, Mr. Perkins veut te parler. Tune être impatiente que Guerrier revienne. Et maintenant que notre plan est prêt, je serai plus utile au journal qu'ici. Et puis la vie dans tes propriétés est déprimante. Reconnais-le. Oh, j'espère que tu ne vas pas t'en formaliser. Non, bien sûr. À bientôt. À bientôt. Tiens-moi au courant. Entendu. Jim. Allons, viens, viens ici. Tu fumes? Non. Je voudrais te confier une tâche particulière et délicate. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Toutes ces terres m'appartiennent. Malheureusement, une bonne partie d'entre elles manque d'eau et le bétail meurt de soif. Le gouvernement a distribué les meilleures terres à 4 ou 5 paysans. Il faut les chasser de ces terres. D'accord. Seulement, il est un peu tôt pour agir. Pour l'instant, tu vas aller en ville. Je veux que tu t'occupes de recruter une dizaine d'individus. Il faut qu'ils aient le pistolet facile. Tiens, pense à. Cet argent t'aidera à les convaincre plus facilement. Ce que je te demande n'est pas très compliqué. Non. Parfait. Comptez sur moi. Je m'en remets à toi. Je suis sûr que tu ne me décevras pas. Quand dois-je y aller? Tout de suite. Hey! Ça va? Oui, ça va, Doc. Ce maudit Prescott est vraiment diabolique. Tiens, lis. Le journal parle déjà d'agitation indienne. Ils ont l'intention de remettre ça demain. Cette fois, ils s'en prendront à un certain Scott. Dis-moi, Doc, peux-tu faire de manière à ce que Prescott se trouve au ranch demain? Bien sûr. Demain matin, il y sera. Je compte sur toi, Doc. C'est très important. Très inquiète. Tu ne pas vouloir laisser son guerrier venir avec son guerrier sur sentier de la vengeance. Au secours! Arrêtez mon cheval! Aidez-moi! Dépêchez-vous! Arrêtez mon cheval! Il s'est emballé! Limitez! Je vais l'arrêter! Limitez! Arrêtez mon cheval! D'où il vient, lui? Cessez de rire comme ça, espèce de minable cutéreux! Imbécile, vous ferez voir! Ben, c'est ainsi. Alors, je vous signale, crétin, que je vais prendre toutes les mesures qui s'imposent pour se méchatier. Voilà! On se moque d'un représentant du Sénat, hein? Mais c'est pas là, c'est un devoir pour vous que
de t'aider un sénateur des États-Unis d'Amérique. Que se passe-t-il? C'est un type qui prétend être sénateur des États-Unis d'Amérique. Il faudra les pendre tous. Ce sont des assassins. Oui, ils vont blesser ces canards. Montez-le à l'intérieur. Doucement. Mais fais donc attention. Tu ne vois pas que mon pauvre corps n'est qu'une plaie. Or, quand je pense que c'est moi qui ai proposé au Congrès d'envoyer quelqu'un sur place, il fallait qu'on se fasse une idée de la situation indienne, et c'est moi qu'on a envoyé. Oh, tous tués. Tous scalpés. Pauvre Jonathan. Ah, ils paieront. C'est moi qui vous le dis, ils paieront. Je comprends votre indignation. Ah, je vous jure que ces messieurs m'entendront parler au Sénat, cher Perkins. Oh, Ulysse lui aussi m'entendra, croyez-moi. Ulysse? Oui, Ulysse Grant, le président. Qu'est-ce que cela a de si étrange, hein? C'est mon cousin. Vous êtes le cousin de... Mais naturellement. Le président, cher Perkins, c'est mon cousin par alliance, pour ainsi dire. Tiens, tiens. L'oncle de ma sœur, de ma demi-sœur, et le frère du père de mon cousin, et le mari de ma tante. Oui, mais c'est bien compliqué tout ça. En tout cas, c'est mon cousin. Mais vous devriez faire prendre mes bagages. Tout de suite. Tung, va prendre les bagages du sénateur. On déclenchera une guerre. Contre les Indiens. Oui, il faut les tuer tous sans pitié. J'ai des preuves cette fois. Qu'on vienne encore me dire que j'exagère. Quel massacre ça a été. En attendant, on pourrait écrire un article dans les journaux. Il doit bien y avoir un journal local qui accepterait de l'écrire. Oui, il y en a un, et il serait sûrement d'accord. De plus, il est lu aussi dans l'Est. Juste ce qu'il nous faut. Ah, il faut que je parle avec le directeur, Perkins. Ah, oh, mais si on s'imagine que je me tairais, je veux que toute cette histoire soit écrite en lettres de feu et à ceux qui... Aïe, ouille, 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 ouille. Un pire montant, sénateur. Un peu, oui. Oh, cette maudite vermine. Oh, je leur ferai voir. Ça ne finira pas comme ça. Parole de sénateur. Vous avez appelé? Va en ville et dis à Mr. Prescott de venir tout de suite. Entendu. Le jour où je me suis décidé à me présenter aux élections, j'ai pris l'engagement devant mes électeurs de combattre impitoyablement cette vermine. Et j'ai la ferme intention de respecter cet engagement. Encore un peu de vin, sénateur? Comment? Volontiers. Cela me remontera, j'en ai besoin. Oui, tenez. Merci. Il y a longtemps que vous êtes dans ce journal. Ça fait 10 ans. Ah, depuis l'époque du massacre des Bridges, en quelque sorte. Oui, plus ou moins. Sinon, pas chose plus gaie. J'ai des photos à vous faire voir, cher ami. Regardez, c'est amusant. Celle-là, je l'ai prise au cours d'un voyage à Boston. Voilà le président avec sa nièce. Une photo d'il y a un mois. Sympathique. Oui, il est sympathique, Ulysse. Permettez. Bien sûr. Vous voulez les voir, Monsieur Perkins? Sur celle-là, c'est Ulysse avec moi. À cette époque, on était jeunes. Bah, tout passe. Vous pensez envoyer un rapport à Washington au sujet de ce qui vient de se passer? Un rapport? Je suis bien décidé à aller au fond des choses. Ils entendront parler de moi. Mister Prescott. Virgil Prescott, directeur du Tucson Daily Mail. Ah, voilà Jim. Je vous ferai écrire un article sensationnel grâce auquel je vous jure que vous serez connu dans le monde entier. Vous verrez, cher Prescott. C'est gentil à vous, sénateur. Vous aurez tout le temps de me remercier après. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je reviens tout de suite. Je vous en prie, cher Perkins, je vous en prie, j'ai tout le temps, soyez tranquille. Tu tombes bien, Jim. Je t'attendais avec impatience. Alors, tu as amené les hommes? Oui, ils sont là dehors. Ils attendent. Steve, fais-les entrer. Jim, viens avec moi. Il n'y a pas de temps à perdre. Quelle chance nous avons!
Un sénateur a été attaqué par des Indiens. La nouvelle va faire sensation. Encore un petit coup de pouce, et les paysans s'enfuiront des terres qu'ils m'ont volées. Et ce sera toi qui le donneras, ce coup de pouce. Tu te souviens des Scott, n'est-ce pas? Je les avais avertis de quitter leur ferme, mais ces idiots ont refusé de s'en aller. Ils se croient très malins. On va leur faire voir à cela. Cette nuit, ils regretteront de ne pas avoir écouté. Mais il sera trop tard. Toi et tes hommes, vous allez leur donner la leçon qu'ils méritent. Mais il faudra agir avec prudence. Il faut qu'on croie à une attaque des Peaux-Rouges. Là, il y a tout ce qu'il faut. Allez, viens. Déguisé en Indien. Très bien, je vais attaquer contre des Scott. Je les massacre. Et pour qu'on inculpe les Peaux-Rouges, je les scalpe tous. Prescott, lui, fera en sorte de jeter la panique. Les paysans s'enfuiront et tu garderas leurs terres. Je connais ça, c'est une vieille histoire, Perkins. Et j'ai voulu seulement changer un peu tes plans. Inutile de les déguiser, ceux-là. Je suis le fils de George Bridger. Tu te rappelles le vieux Bridger, Perkins? Les cannes, Prescott, les hommes ont bu, voilà tout. Ça n'est rien de grave. C'était un piège, Prescott. C'était un piège. C'est exact, cher Prescott. Pour une fois, ton ami Perkins a dit la vérité. Maintenant, suis-moi. J'ai quelque chose à te faire voir. Arrête-toi! Oh!
un chien. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Que j'ai eu tort il y a 12 ans de ne pas avoir lancé Boone à tes trousses. Mais maintenant, je vais avoir l'occasion de réparer cette erreur. Mon garçon, continue à imprimer. Eh ben quoi, tu t'arrêtes? Ne me dis pas que tu es déjà fatigué. La route sera longue, tu sais. Mais sois tranquille, tu deviendras célèbre. D'ailleurs, je te l'avais promis, bientôt ton nom sera sur toutes les lèvres. On saura enfin quel crapule vous étiez. Tenez, voici les dernières nouvelles. Tenez. Lisez la véritable histoire de votre concitoyen Perkins. Oh, c'est toute la vérité sur le meurtre de la famille Bridger. Mais c'est incroyable. Où est Preston? Prenons-le. Au revoir, Doc. Je regrette que tu t'en ailles. Au revoir, Jerry. Et bonne chance. Adieu. Avoir accompli sa vengeance. Guerrier Blanc partir pour toujours. Tune venir avec lui. Tu ne dois pas quitter ton peuple. Et auprès de tes frères,
guerrier blanc n'aura jamais sa place. Adieu, Thun. Adieu, guerrier blanc. Los indios de las colinas, cuando se juntan y cuentan en las noches de verano alrededor de sus fuegos leyendas de montes negros, dicen del muchacho que era cazador de indios guerreros que cortaba cabelleras. Y en la sombra, un día, en los montes negros, desaparecer le dio.